Dans ce centre, le centre Manaout, Agir pour les droits de l'enfant, ce sont environ 100 enfants issus des familles nécessiteuses qui sont pris en charge. Le centre à vocation éducative offre à ces enfants démunis de l'éducation, mais aussi le gîte et le couvert pour certains. Ce qui n'est pas toujours facile, confient les responsables. Une aubaine pour les élèves et les responsables, le centre a croisé le chemin de Foodwise, une association luttant contre l'insécurité alimentaire. Pour faire simple, l'association récupère des aliments non consommés et les redistribue aux nécessiteux, principalement des enfants pour le moment. Ornella Assimini en est une des membres. Depuis plusieurs années, l'association a récupéré et redistribué plusieurs tonnes d'aliments qui allaient être jetés. Cela va des restes dans les restaurants aux produits non écoulés des supermarchés. La liste est longue. Un tiers de denrées alimentaires dans le monde, le tiers de denrées alimentaires dans le monde, le principe de Foodwise est simple. Ils entrent en contact avec un restaurant, des grandes surfaces ou des sociétés et les mettent en relation avec des centres, des écoles, associations ou tout autre centre qui s'occupe d'enfants ayant besoin d'appui en termes de nourriture. L'association contacte ensuite des sociétés de livraison qui vont acheminer les aliments d'un endroit à l'autre et ce, en optimisant les trajets et le poids des produits à livrer afin de respecter l'écologie, mais aussi la fraîcheur des aliments. Et afin de garantir une distribution respectant les normes sanitaires, certains aliments sont redistribués directement quand d'autres doivent encore être transformés. Transformer notre mente à Vernandra ou à Enzavatin, il va mettre une norme qualité, il va faire un rané à ton Foodwise, c'est ça, mais une norme à faire un fanara comme ça, donateur alimentaire à cause, il va le tout qu'on attend, et former un cours ou responsable, il va tomber centre arrêt, à l'ouani, à nous bonnes les donations. Rien que durant le confinement, l'association a récupéré et repartagé plus de 15 tonnes d'aliments à 25 centres sociaux et 5000 enfants. Aujourd'hui, au centre Manaout d'Anjafwang, c'est une société de livraison à vélo qui vient apporter le festin aux enfants. Les aliments rapportés aujourd'hui proviennent d'une grande enseigne de fast-food de la capitale. L'insécurité alimentaire étant toujours élevée dans la grande île, l'association Foodwise espère venir en aide à un plus grand nombre de personnes prochainement, et pas seulement dans un souci alimentaire, mais aussi écologique. Je suis en train de faire 21 fois plus nocifs en termes de gaz à effet de serre, manimba, sous-na-ozone, yuzava, tu vois.